Ça y est, c'est fini. Attendez, attendez. Doucement. Are coming to the village. This is great, but watch. Ah oui, parce que du coup, on a plus de monde qui arrive. Got it. Ah, impeccable. On va mettre des travailleurs partout. Ils arrivent d'où les mecs? Build town square on a water vein to provide water access. Ah oui putain, il faut qu'on s'occupe de l'eau. Je sais pas d'où ils arrivent les villageois. Faut qu'on s'occupe de l'eau. Qu'il y a. Ah bah super, bah bravo. Quoi? Il s'en est aperçu. Il y a eu une déco de stream. Ouais, mais alors c'est Twitch, c'est pas moi parce que comment vous expliquer que sur OBS, il y a rien eu moi. J'ai même pas eu d'arrêt de compteur ou quoi. Zéro perte d'image ni rien. Alors ouais, les gars. Merci Rome pour tes 22 mois, merci beaucoup. Désolé, mais c'est pas ma faute. Hein. Alors attendez, parce que oui, alors il y a d'accord les décos de stream, d'accord. J'ai rien vu. Hein. À tous les rageux qui disent que je suis à fond dans le jeu. Alors attends, underground water. Il faut que je fasse un puits sur un cours d'eau. Ça veut dire. On va le faire là. Ils sont arrivés mes gens qui habitent ici. Oh, ils ont fermé la porte carrément. Ça va, non? Ah oui d'accord, et là on commence à arriver dans le ce qui va ou ce qui va pas quoi. Ils ont pas d'eau, ouais bon j'avoue c'est pas la fête au village mais ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, soyez patient. Il faut que j'en fasse tant que ça. Racco ! Merci Racco pour tes 25 mois, merci beaucoup. Attendez, on met de l'eau et puis après on va... Oh, ça va être facile ça à faire. Faut juste creuser un peu quoi. Merci Racco, merci, merci. Faut faire un petit trou et puis... Mais attends, j'ai jamais personne qui a le temps de travailler là. S'il vous plaît, pêchez-vous. Oui, parce qu'en fait le seul qui bosse c'est Michel quand il n'y a pas de tronc à aller chercher quoi. Voilà, montre-leur. Nous avons un puits. Disconnected from the road network. Ok, c'est bon. Je peux construire. Oui, j'ai rien connecté moi. J'ai rien connecté du tout moi en fait. On a un puits. Vous avez de l'eau là, vous êtes content là? Oh la mono. Quoi? Ah mais il ramène de l'eau lui. Merci Zonsler 11. Ça va mon Zonsler 11?
C'est plus Hola Hello, c'est plus un mélange entre Age of Empire, Total War, parce qu'il y a aussi des grosses guerres apparemment avec plein de troupes et tout. Mais là pour l'instant c'est une démo, le jeu n'est pas sorti. Alors attends, parce que. Ok, il faut que je fasse plus de choses comme ça. Quartier résidentiel. Ah oui, j'aurais peut-être dû mettre un puits plus proche, quoi. C'est ça qui me reproche, à mon avis. Ouais. Peut-être mettre un puits un peu plus proche. Alors attendez. Hey, mais là, pourquoi j'ai pas plus de travailleurs, moi, bordel? Admettons, on va tenter quelque chose, hein. Y a pas une veine d'eau par là, là? Hein, y a pas de veine d'eau ici, hein. Ouais, c'est pas de chance là. J'ai déjà fait au plus. Ah, si là. Alors, toutes les veines, elles sont loin, quoi. L'eau est un peu loin. Je pourrais en faire une. Attends, faut pas un travailleur là au moins. Non. Right, bon. Imaginons que là, je fasse un accéléré fast. Qu'est-ce que. Qui travaille là? Oh! Bah, alors, dis donc, ouais. Ça bosse là, regardez ça un peu. Regardez ça un peu. Parce que là, on sent que le froid s'approche quand même. Non, non, en plein été. Et on a encore de la réserve de troncs d'arbres là. Et non, on a plus de timber du tout là. Ah si, on en a là. On en a un peu là. On va vite remettre des gens là. Pareil, je pense qu'on va vite remettre un chasseur aussi là. Parce qu'on est d'accord qu'il y a forcément des gens qui vont arriver. Donc pas de panique. Bisous Média, bisous bisous. Regardez mon petit quartier résidentiel. Vous voyez que je vous montre? Bienvenue chez moi. Oh, qu'est-ce que c'est feng shui, vous avez vu? Bonjour Michel. Ça fait plaisir de te voir. Comment va ta femme? Tu l'embrasses? Ah, Evelyne. Tu es ravissante, comme ta fille. Petit footing du matin, moi. Quand je vois tes yeux, je suis en train d'écrire une chanson parce que comme je suis un lord, j'ai du temps pour faire du sport et pour écrire des chansons. Je suis amoureux quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Alors ce puits, alors là. Edwin, dis-moi, je me demandais comment tu trouves mes chaussures, mes souliers. Pauvre bête. Pauvre bête. Ça travaille dur, là ça travaille dur là. Faire un truc. J'ai un doute sur quelque chose. Il m'aurait quand même pas. J'ai tout à donf. Pardon. Bon là il reste encore une petite maison qui vite fait finie là.
Ouh, il pleut. Storage full. Ah oui, merde. Storage full. Pourquoi on a que 4 mois devant nous? Oh, attends, il y a un marchand. Quoi? Oh là, mon brave. Ah, mais j'imagine qu'il doit falloir faire un endroit pour accueillir nos marchands. Pourquoi ça tourne comme ça, là? Je comprends pas. Bon, vous allez la finir, cette maison, merde. Vous pouvez pas rien foutre, hein. Oh yeah, jeune marchand! Quelle belle jument vous avez là! Comment allez-vous? Je suis Lord Zardoz, ravi de vous rencontrer. Est-ce que vous pouvez... Elles sont jolies, les flaques. Oui, ça va, on va pas rester là-dessus pendant une heure. C'est parce qu'il m'a pas vu, parce qu'il... C'est son cheval qui est pas au point, quoi. Bon, vous allez finir cette maison? Oui, merde. Merci, de grâce. Nuen Furt. Qu'est-ce qu'on doit faire? Food stall, firewood stall, closing stall. C'est quoi ça, stall? C'est des... Il faut que j'augmente la qualité de mes trucs. Que... Ouah! Ah, c'est ça. Provide easy access to food for burger... Ah! Fort bien. C'est... le but. Le but... C'est de rendre accessible la nourriture et compagnie. Mais attends, mais pourquoi? Ah, parce que j'ai plus de bois, peut-être. Bah, si, j'ai du bois. Je comprends pourquoi ça tourne à l'infini, ça. C'est bizarre. Pourtant, j'ai bien des gonzes qui foutent rien, là. Où c'est qu'on voit mes gens? People. Putain, une baraque pour deux personnes, ça va non? Ça va non? Les bourgeois là. Pourquoi ça tourne à l'infini là? Eh hey, bah oui, bah je sais. Attends, qu'est-ce que tu fais toi? Tu te bouges le fiacre un peu là? Pourquoi personne va me chercher ce qu'il faut là-dedans, là? Vous voyez bien qu'il n'y a plus de place. Attends, mais calmez-vous, mais vous êtes combien à chasser là-dedans, là? Ah, mais tout le monde fait tout, en fait. Come on, laddie, come along. Je comprends pas trop. Bon, en tout cas, on a de la bouffe pour 4 mois encore, donc c'est bien, mais... je suis censé passer ça au level 2. On est en août. Et je sais pas pourquoi je peux pas... Ah, il faut que je fasse un marketplace area. Ah, une place de marché. Très bien. Quoi?
Market stall count, ça veut dire quoi ça? Ça fait une assez grande place de marché quand même là, non? Ah oui, voilà. Bam! 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 Pas mal, hein? Ah, faut qu'il fabrique ça aussi? Non. Attends. Ah, si. On a combien de bois là? 3. Putain, il rame du fiac, hein. Il est tout seul le mec. Pourquoi ça tourne dans le vide? Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. C'est bien, tu fais du bon boulot, t'inquiète. On n'est plus en galère de place, visiblement. Pour une raison qui m'échappe. Est-ce qu'il commence à stocker à l'intérieur ou pas? Non, hein. Non. Ah oui, donc ils viennent même fabriquer les petits étals. C'est pas vrai. Regarde ça un peu. C'est pas mignon ça. Et là, il faut que j'améliore ça. Upgrade to level 2. Mais eux ils sont heureux ou pas là? Food. Number of food types available on marketplace. Eh oui, mais vous m'emmerdez. Ils font la gueule. Oh, regardez, ils viennent de poser des machins dessus. Ils viennent de mettre du pain. Attends, ils ont du pain et de la viande. Qu'est-ce qu'ils m'emmerdent? Ah, ils veulent des légumes. Oh là là. Ramène un peu de viande là. Qu'est-ce que tu portes? On saura jamais. Attends, ils sont chiens. Là. Ah, il faut que je mette un mec qui travaille ici. Oh! Non mais d'accord, mais là ils vont être contents là. Food. Number of food deep available on marketplace. Mais quoi? Mais c'est bien. Regardez, ils viennent chercher la bouffe et tout. Oh, je comprends pas là. Il y a de la viande, il y a du pain, il y a du... C'est bon. Il n'y a rien qui va quand même. Et comment je fais pour avoir un mec qui bosse ici, là? C'est pas facile, là. Pas facile, là. C'est bizarre. J'ai pas l'impression qu'il faut que je me prive d'un chasseur. Et je peux voir si j'ai des gonces qui font rien, là. Non, j'ai... Oui, mais comment je m'en rajoute des villageois? Ouais, c'est juste personne qui bosse là, quoi. Et je sais pas comment je suis censé faire. Hein. On refait une maison. Mais le problème c'est qu'il va faire une maison, ça veut dire... Enfin...
Pardon, ça va coûter des travailleurs encore, donc ils vont pas pendant ce temps-là. Tu crois que je refais une baraque, toi? Est-ce que ça fonctionne, ça? C'est un mode prendre le poste quand il n'y a pas besoin, tu vois. Putain, le centre de bouffe, il marche, hein. Ça fonctionne pas, ça. Y a personne qui ramène du putain de bois ici, quoi. Bon, je vais refaire une maison. Faire une baraque. Parce qu'au final, là, j'ai qu'un mec qui vient bosser, quoi. Mais non, j'ai plein de gens qui viennent bosser. Mais pourquoi j'ai autant de gens disponibles pour construire une maison et personne pour... Attends, c'est surréaliste. Je comprends pas. Parce que c'est trop loin. Pourquoi? Mais pourquoi? New Family. C'est un peu lunaire. Qu'est-ce que je pourrais sacrifier pendant quelque temps? On va faire avec un seul chasseur et on va dire qu'on va arrêter avec le... Putain, le bois de chauffage avant l'hiver, c'est un peu con, mais... On va dire qu'on va arrêter ça. Est-ce qu'ils prennent la place? Alors là, a priori, j'ai des mecs qui ont pris la place. Ah, ça y est, ils arrivent. Et là, du coup, ils sont contents? Toujours pas? Pourquoi là il se passe rien? Clothing. Ah parce qu'on a rien qui fait de la... Oui d'accord. Je vois, ouais. Bon, c'est toujours la dèche ici, hein. Bah, c'est bizarre. Hein. J'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont pas satisfaits. Pourtant t'es pas. Il y a tout le temps du bois, ils en manquent jamais. C'est quoi ce cri de vache qui meurt là? Arrête-toi, hein. Besoin de ça. Bon, il y a quelque chose que je capte pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un problème avec la flotte. Mais la flotte, c'est un problème parce que je peux pas construire quoi que ce soit pour les aider. Je suis à une taverne, c'est compliqué. Il n'y a pas de puits plus proche. Je peux en faire un autre ici. En quoi ce serait intéressant, mais j'avoue que je capte pas. Il manque d'eau, elle ou l'eau?
well placed on underground water source is required. Il y a toujours à manger, il y a toujours du bois. Il y a des gens qui sont embauchés quand même à plein temps pour recharger. Ah, c'est bizarre. Hein. C'est quoi les points de compétence que tu gagnes? Il n'y a pas un menu de développement. Les points de compétence que je gagne? T'as vu ça où toi? Les points de compétence? Donc en jaune, c'est ce qu'ils désirent et c'est ce qu'ils ont quoi. Le problème, c'est que pour ajouter de la bouffe, j'ai pas 10 000 solutions. Il faudrait que. Quoi Ah, des cueilleurs. Il faudrait que je prenne des cueilleurs. Oh, regardez la végétation qui change. C'est beau. S'il y avait des berries, ça irait mieux. Winter is coming! Motherfucker. Peut-être qu'en fabriquant ça, en ayant plus de... Je comprends comment ils peuvent me reprocher. Que le bois, ça n'aille pas. Un cueilleur. Bon, pour l'instant, le cueilleur il est là, impeccable. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend de trouver des baies. Attends. Forage, hutte. Ah mais d'accord, il faut qu'il y ait pas loin un berry deposit. Chose qu'on a absolument pas ici en fait. Cool. Je suis content. Mais il y a tout plein de bois, comment ils peuvent me reprocher que ça va pas? Qu'est-ce que je comprends pas là? Ah, il y a un arbre de compétences de la ville. Oh, c'est bon. Développement, production. Mais c'est log pendant la démo. D'accord, ok. Bien vu, j'avais pas vu. Ah ben je sais bien que c'est vide, mais en fait je sais pas quoi faire moi. Avec ça. Il y a l'hiver qui arrive et à part ça j'ai pas grand chose à faire en fait. Je peux faire une église mais non j'ai pas assez de bois. Parce que j'ai plus personne qui bosse là-dedans. Tu vois j'ai qu'une personne de libre, hein. Je suis fou là. T'es moi tout le bois qu'il y a là. Il continue à chouiner. Oh ça me rend fou. On est en novembre, l'hiver va tomber bientôt. On a tout plein de bouffe. On a du monde qui bosse à peu près partout. Regardez le bois, regardez la bouffe, mais tout va bien, mais comment vous pouvez vous plaindre, bande de cons? Je sais pas. Je vous avoue que c'est flou là.
Tannerie peut-être. Donc peut-être on peut faire une tannerie, mais est-ce qu'on en est là là dans le game? Et il me reproche de l'eau, mais attends. Ah, par contre, je peux faire un trading truc. Oh là, c'est trop gros. Ah, c'est gay cool du doigt, ça défonce. Je sais juste pas. Pourquoi ils m'en veulent. Ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de nourriture disponible au marché, très bien. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est... qu'ils me demandent des choses au marché, que le marché, il est là. Bizarre. C'est comme si le marché n'existait pas. Ils me disent well placed underground water source is required, mais on en a une. Found a supply for marketplace. Et marketplace, il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que je comprends pas? Parce que je comprends pas. Nous sommes en novembre, bientôt l'hiver arrive en plus. Écoutez, on va accélérer un peu le temps, on verra bien. Il y a beaucoup de bois, il y a beaucoup de bouffe. L'hiver va passer tranquille normalement. On arrive en décembre, il commence à neiger, le début des emmerdes hein, en général. Quarto, merci pour tes 6 mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Oh, la neige qui apparaît, c'est beau. Ben, route, non, parce que route. Parce que route. C'est marqué connecté au réseau routier. Eux, ils sont aussi connectés au réseau routier. Tout le monde est connecté au réseau routier. Non, ce qui me reproche, c'est qu'il n'y a pas assez de variété de bouffe, très bien. Et les plus importants, je pense que c'est... les sources d'eau et du feu. C'est bizarre, c'est un peu bizarre. C'est l'hiver. Parce que toi, tout le monde rentre chez soi avec sa viande, sa bouffe... son bois, tout le monde a la cheminée qui flambouille, tout va bien quoi, en fait. Mais non. Pour la gueule. Et je peux pas upgrade, surtout. Alors qu'on a tout plein de bois. Regarde ça, tout est plein de bois. Non mais c'est un peu, c'est beau. Tout est plein de bois, plein de bouffe. On a un vendeur au marché. Tout est connecté, tu vois. Tout est connecté. Quoi? Nani?
dis pas que c'est ça. Ça a juste fait une route bizarre là. Attends, quoi? Personne n'a utilisé cette route, on est d'accord. Non. Ok, c'est pas ça. J'ai eu peur. J'ai deux puits, bordel. Dont on me dit que tout se passe bien. Bon, lui, on peut pas interagir parce qu'on a pas ce qu'il faut. Après, ce que je vais faire, c'est qu'une fois l'hiver passé, on va faire des champs, mais attends, fais voir comment ça marche. La mine, on s'en fout. Ils sont reliés. Donc ça c'est des champs. Et ça c'est ce qui va transformer les champs en nourriture quoi. Oh vache. Qu'est-ce que on va faire comme bouffe là, j'en sais rien moi. Bon. Laissons les travailler. Voilà, ce sera le chantier de l'hiver. Ce sera de fabriquer la ferme pour la sortie de l'hiver. C'est une bonne idée, non ? Donc ça poussera quand ça poussera. Comme ça il y aura plus de nourriture. Et les gens seront plus heureux. Toute notre réserve de bois, hein, il en reste un peu. Pas beaucoup. Sauf que le problème, c'est que j'ai toujours pas assez de gens. Donc en fait, je pense que ça, très vite, on peut décider que pas besoin. Et c'est juste quand il y a quelqu'un qui s'emmerde, voilà, il vient quoi. Je suis très bien comme ça en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un mec qui bosse là, un mec qui bosse là. Je pense qu'on va mettre... On a déjà qu'un chasseur, putain. Combien de personnes qui bossent au bois là? Un seul aussi? Oh ouais, la merde. Ça suffit pas du tout. Hein. Bon, de toute façon, y'a rien qui va pousser là maintenant, mais. Bah je peux construire des maisons, toujours plus quoi. Je peux encore et toujours construire des baraques. Mais j'ai peur de me faire déborder.
On va faire venir deux familles en plus. Ce qui est bien, c'est que ça construit vite, tout le monde s'y met. C'est bizarre qu'il y ait autant de gens qui s'y mettent alors qu'ils ont le boulot, quoi. Je comprends pas trop. On a beaucoup de bois pour le... Franchement, on a combien de temps? 34 mois de bois en avance. Alors vraiment, j'ai envie de te dire, toi, mollo, mec. Petite route à ces gens-là. Elle est où la route? Ouais, elle est où la route? Bizarre, on va faire moi. Ça va faire une petite place de village, c'est bien. Alors on commence à voir apparaître la terre en dessous. Nous sommes en février. Nous avons 5 travailleurs sur le champ qui devraient donc ramener plus de bouffe. Et le problème c'est que là si j'ai pas un mec à plein temps. Pour la bouffe là. C'est surchargé en bouffe quoi. Ce bordel. Oh. Ok. 4 mois de nourriture. Sans compter mes travailleurs acharnés qui vont démarrer, je sais pas du tout quand. Ah bah voilà, fallait juste que je choisisse un truc. Donc là ils s'y mettent là. Attends mais quoi? Mais ils sont combien? Mais pourquoi? Attends, il y a vraiment quelque chose qui me perd là. Comment ils peuvent être autant à bosser ici? Et je trouve pas un mec pour venir ici. C'est un peu lunaire hein. C'est un peu lunaire non? Tout est en priorité 1. Tout est en priorité 1, tu vois. Bon, écoute, hein, laissons aller travailler au champ. On a toujours 3 belles zones de chasse, en tout cas. On a un marchand qui peut pas s'arrêter. Ça c'est plein ça. Ah non. On a tellement de bouffe. Non c'est du bois. Ouais tranquille le bois les gars. Ouais, tranquille tranquille. Chill chill. Là, on est d'accord qu'eux ils servent plus à rien là. Ah si. Bah non. Là il faut juste attendre que ça pousse maintenant. Et là on a l'estimation de combien on va gagner de produits dans 140 jours. Pendant ce temps là, eux on est d'accord qu'ils branlent rien. Et du coup ils ont le temps de venir s'occuper de ça. Ça. Et ça n'a rien changé à tout ça. Et ils continuent à se plaindre de ne pas avoir assez de bois. Oh putain j'en peux plus. Pourquoi? Pourquoi vous n'avez jamais assez de bois? Fuel, 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 fuel. Require firewood. Forme de market, mais putain. Vous avez du firewood au market? Oh, allez, ça pousse. Ça pousse. On va faire que du pain, quoi.
C'est pareil, l'eau, pourquoi il manquerait d'eau? Ouais, qu'il y ait quelque chose pour stocker de l'eau. On est d'accord que elles sont bien sur une water vein. On est bien d'accord. Bah oui. Connected to road network storage well. Je suis pas fou quand même. Peut-être le point dans les cases fuel, ça veut dire que tu as rempli la condition. Bah non, parce que regarde, en fait. Ils me disent que pour pouvoir remplir. Pour pouvoir upgrade en logement, il faut que j'ai deux points verts. Et là, j'en ai un qui est rouge. Pourquoi? Parce que bah, tout ça c'est vert, donc, mais j'ai toujours, encore tout ça de rouge. Oh, mouche rouge, que tu fais là? Oh, mon baby, tu viens m'aider, mouche. Quoi, c'est mouche mouche, je sais pas quoi faire. Mets des bébés, j'ai besoin de toi. Bah non, du coup, ouais, j'avoue, je sais pas quoi, je comprends pas trop. Mais puis, ils font de l'eau, parce que sinon, ils me le diraient, je pense, si je manquais d'eau. Toolstone, blablabla. Ils me le diraient si je manquais d'eau, quand même. Végétal. Là ça pousse là, c'est beau là. Là par contre ça c'est beau ça. Oh. Par contre on va pas gagner grand chose quoi, ça dégoûte un peu. On voit la jauge qui se remplit de avant que ce soit prêt à faucher. Ou alors il faudrait construire les maisons sur de la flotte pour qu'ils aient l'eau genre courante. Non quand même pas. Quand même pas. Ce serait très bizarre. Ce serait très 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 chelou. Moche moche. Est-ce que tu viens me voir parce que t'as fait une bêtise et du coup tu dis. Ah, quand j'ai dit le mot bêtise, t'as réagi, t'as vu? T'as fait une. Moche moche. T'as fait une bêtise? T'as fait des bêtises? T'as fait des bêtises, moche moche? Mon toutou là-haut. Non, te passe pas là. Putain, ça met du temps à pousser, bâtard. On va voir si avec d'autres. Avec des céréales, ça va mieux. Parce que là, j'avoue que c'est un peu lunaire. Ils me disent qu'ils veulent du bois du marché et il y a du bois au marché quoi, donc je sais pas quoi faire de plus. Ah, les bûcherons qui coupent du bois quoi. Je sais pas quoi faire de plus. Je n'ai pas d'idée. 60 jours, putain, en juillet déjà. What? Et il nous reste 3 mois de bouffe. C'est pas tant que ça. Hein. Ah, mais attends. Quand on va tout cueillir, ça ira mieux, je pense. Tout le monde, et regarde, tout le monde a de la bouffe de fou et tout, et il continue à dire. On n'est pas content. Ça ne nous convient pas du tout. Incroyable quand même. Il est beau mon petit village. C'est un peu le bordel. Il est beau quand même. J'ai encore du monde là-dedans. Oui, j'ai encore du monde là-dedans. Ouf. Il n'y a pas tant de firewood que ça. Hein. 17 mois. Ah oui, j'ai plus personne qui bosse là-dedans.
C'est vrai ça. J'ai combien de troncs là? 30 troncs. Oh. Mais attends, j'ai 43 fer rouge ici encore là. En 30 jours, il y a du boulot. Ça, je serais resté bloqué là comme un con. Il y a personne qui a fait la démo et qui peut m'aider là. En vrai. C'est 1h30 déjà. Oh merde, il me faut du monde là. Attends, attends. Calmoche, calmoche. Et 3 personnes de plus. Ah ça y est, récolte. Il récolte. Oui, il récolte. Bon, ouais, ça va. Vous allez arriver là. Vous êtes 12. Et alors là, la bouffe, par contre, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'on a au taquet de... Ouais, ok. Donc ils le récoltent, ils le font sécher. Mais ça va pas mieux quoi. C'est bizarre quand même. Je sais pas, on va faire ça pour la prochaine. Je sais même pas quoi faire de ça en vrai. Ça fait du grain, on a plein de grains. On a du pain. Putain. Ça manquait de viande quoi, t'es sérieux hein? C'est un problème de description, Recurman, c'est juste la légende. Rouge, ça veut dire que si ça manque, l'épigubeur ou ce bar vert, c'est qu'il te faut pour passer au niveau suivant. Et le losange dans la case colorée. C'est ce que tu as réussi à avoir. Ah, donc en fait j'ai de la marge de fou. Alors qu'est-ce qui me manque? Ah bah oui d'accord, en fait il me manque... Oui d'accord, ok. Donc ils ont de l'eau, ils ont du bois. Merci beaucoup, Yorvan. Ok. Donc en fait, c'est juste qu'il faut que je leur fasse une église. Oh. Bon, ça va pas quoi là. Bon bah derrière la place du marché, il y aura une église quoi. Ma pauvre vache qui fait des erreurs tout seul. C'est beau. Là, à mon avis, ça va être beau là. Combien de temps là contre l'église? 1000 ans. Ça fait un sacré village déjà. Bon, je l'ai un peu fait à l'arrache. Hein. Ouais. Trop stylé. On est déjà en septembre. Hein. Attends, mais qu'est-ce que je vais faire de mon grain et tout là? Faut bien que j'en fasse quelque chose quand même.
De la bière. On va faire de la bière, vous pensez? Je sais pas trop. C'est quoi la durée de la démo? Bah, c'est quelques jours là, mais c'est, tu peux y aller pendant quelques jours. Après, je sais pas jusqu'où elle va par contre. Ce qui est trop classe, c'est ça, mec. Regarde ça, Xenoxide. Je suis en tant que lord apte à visiter les lieux. C'est beau ce que vous faites, c'est beau. Allez, au boulot, au boulot, au boulot. Ma petite place de marché, avec l'église juste derrière. Oh, c'est dingo, hein. Je peux pas rentrer, moi. Finissons-en. Est-ce qu'il faut que j'y mette... Non, c'est bon. Elle est belle, celle-là. Ah, d'accord. Et là, boum. Ok. Et qu'est-ce qu'on met à côté de l'église? La taverne of course. Ah, merde. Dans la taverne au bout du village. Pas directement trop proche de l'église, tu vois. Faut pas déconner. Tu es croyant? Non, je crois pas en. Je crois pas en Dieu particulièrement, non. Moi, j'ai grandi, tu sais, dans une famille catho et tout. Je crois que. C'est difficile à répondre. En gros, je crois en la dans les bienfaits que peut avoir une croyance, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer ça. Je vais donner un exemple concret. Je suis pas croyant, je prie pas, je crois pas forcément en Dieu. J'ai pas vraiment beaucoup d'amour pour la religion en général, on va dire. Et pourtant, peut-être de par mon éducation, parce que j'ai fait mon catéchisme, parce que mes grands-parents étaient catholiques, parce que j'en sais rien, et pratiquant, etc. Quand je perds quelqu'un, par exemple, dans ma famille, le seul moyen que je trouve pour me consoler, sur le moment surtout, c'est de me dire, bah là où il va mieux, tu vois. Quelqu'un va prendre soin de lui, et il va être heureux, il va retrouver, tu vois. Je m'en remets à ça pour accepter la mort de quelqu'un, par exemple, tu vois. Donc est-ce que je suis croyant? Je pense pas, mais... Je suis moins croyant quand tout va bien que voilà. En fait, il y a des sujets que j'arrive pas à aborder autrement que par une croyance, si tu veux. Mais je j'ai pas de dieu à nommer, tu vois. Donc je sais pas, c'est un peu, je suis un peu. Je vis ma croyance, quoi. Je sais pas, je vis. C'est un peu, c'est vraiment le bordel, non, comme village. C'est un peu nul comme réponse, mais je sais pas comment répondre à ça. Le plus simple, c'est de dire non, je suis pas croyant. Bon, là, on a carrément un pub. Ah ouais, il faut que j'embauche du monde. Oh non, mais je peux pas. J'ai toujours pas ce qu'il faut, hein. Entertainment. C'est bon, là. À qualité de l'alcool. Ah oui, parce qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui y bossent, quoi. C'est ça. Ceci, normalement, Plantree. On a pas ce qu'il faut. Alors, attends. On va faire autre chose. What? Pourquoi on a plus de bouffe? Man. Mais si on a de la bouffe de ouf. Oh, madame Yves. Pantry, c'est quoi? Ah oui, d'accord, je fais pas ce qui... Attends, qu'est-ce que j'ai planté là? Barley.
Le storage est plein. Oh, attends, c'est bon, firewood là. Eh oh. On va se calmer un peu. Ah, c'est l'hiver, tu me diras. C'est dommage, je peux avoir ce qu'il faut pour. C'est quoi, Pantry déjà? Faut quoi moi? Pantry. On en a énormément. Comment on peut être à zéro là? Parce qu'ils achètent leur truc à la taverne? Ah. On a encore du bois pour l'hiver, ça c'est bon. Alors attends, qu'est-ce que je capte pas encore là? On a que de la, un peu de viande qui traîne là, c'est tout vraiment. On a plus que de la viande à bouffer là. Hein. Comment ça se fait qu'on a plus que de la viande à bouffer alors que... Alors que là on a du grain et... On a des... Ils savent pas comment foutre, c'est ça? Et pourquoi lui, il me fait pas de la bière? Ah putain, il faut que je fasse un moulin. Ouais, d'accord. Faut que je fasse un moulin et ça pour faire du pain. Attends, mais ça en fait. Merci à tous. Ah ouais, ok. Il faut du monde qui travaille dans le moulin? Non. Putain, c'est pas possible. Comment je suis censé gérer ça? Allez, le moulin! Il est beau le moulin, ouais. Il est beau mon moulin, il est beau. Hein. Oh, il est beau mon moulin. Bon, ouais, Michel. Allez, ma bonne dame au boulot. Ce jeu est extraordinaire, hein. Vraiment j'insiste un peu, mais putain je le trouve fou. Attendez. Parce que là niveau bouffe et tout, on va faire la gueule là. Ça va. Et personne ne sait m'expliquer pourquoi j'ai pas de ce qu'il faut là. Faire du pain, c'est déjà bien. Ouais, le jeu a l'air dingue. Enfin, le jeu, ça fait des années que je le suis, que j'en rêve, et mettre la main dessus, c'est assez ouf pour moi, là, je te cache pas. Je suis un peu tout foufou. Pantry. Ok, et est-ce que ça va... Donc en fait, il utilise... Putain, je comprends rien. Faut que je comprenne ce que ça veut dire pantry. Ah merde, je suis en QWERTY. Pantry, garde-manger. Donc c'est les réserves de bouffe en gros. Mais pourquoi? Je comprends pas ce qu'il me demande pour la taverne, hein, en fait.
Mon beau four à pain. Ça bosse dur là, ça bosse dur là. Bon, le truc c'est que j'ai refait encore plus de nourriture du coup. Ça sert à rien. Il me manque quoi du coup là? Salut Bounty. Oui, donc là il faudrait encore que je fasse de quoi faire des fringues. Leather. Leather. Ah, du malt. Barley en malt et malt en bière. Ah ouais la vache, faut vraiment se taper toutes ces étapes là. Ok. Je vois le genre, ouais. Et hop la bière. Ah ouais, mais là je vais vraiment manquer de beaucoup de gens là. Est-ce que le pain... Ah, c'est parce que j'ai pas relié la route. Oh, je me hais. Rip curl. Là je m'aime bien là. Là, une heure que je bégaye sur un truc parce que j'ai pas relié la route à la... Ça fera pas tout mais... Ok. Et là on a à nouveau du pain à manger du coup? Oui, un peu. Merci Ripker, merci. Alors le but c'est que c'est le meilleur jeu de l'univers. Non, j'exagère un peu. En gros... Ça, regarde, là t'as l'impression de jouer à un Stronghold, tu vois. T'as l'impression de jouer à un City Builder. Sauf que en fait tu es le lord de ton village. Et qu'en cas d'attaque ou quelque chose comme ça, il faudra que tu formes tes trucs et les combats deviennent Total War. J'ai déjà à peine. C'est du gros combat en temps réel bien vénère avec gestion de troupes bien vénère, genre Total War. C'est un des aspects du jeu. Après, tu peux améliorer ta ville, plein de choses, blablabla. Mais, si tu dézoomes, qu'est-ce qu'on apprend? Que tu n'es pas seul sur ta contrée, dans ton monde. Mais bien que tu aies une carte globale, où tu vas devoir faire de la politique, de la diplomatie, c'est de la folie. C'est un jeu qui est dev par un mec qui est tout seul. Depuis des années. Qui me fait rêver depuis des années et qu'on a dans les mains pour la première fois en démo, et c'est extraordinaire d'avoir ça. Bon, attendez, est-ce que je peux avoir un mec qui bosse là? Yo Charlie. Alors ouais à peu près, sauf que tu prends peut-être pas part au combat en première personne Charlie, mais je sais pas si on va pouvoir faire marcher ça. Putain, le problème c'est que là je suis trop compliqué. Attends, j'ai vraiment 43 troncs d'arbres là. 42. Putain, et j'ai personne qui bosse ici. Mais attends, c'est pas possible. Et bois de chauffage. Oh, ça va. On est en avril. Ils ont combien à bosser là-dedans là? Putain, y'a personne aussi quoi. Où c'est que je récupère des gens?
dans cette réserve de bourrin. Oh, vas-y, attends, tu sais quoi, on va calmer un peu ça. Tout est plein à craquer là. On n'a plus qu'un chasseur pourtant, il me semble, oui. Toi, tu fais du pain à Micheline. Hein. 6 mois de bouffe devant nous. Beaucoup trop de pain, beaucoup trop de pain, beaucoup trop de pain, arrête. Tu veux bien que tu me fatigues. Il y a quelqu'un qui bosse dans le moulin aussi. Ouais, oh non. On va arrêter le moulin en quelques temps. On veut des gens qui bossent ici, là. Alors, attends, parce que si j'arrêtais tout ça, le but, c'est quand même que... Vous preniez le relais ici. Quoi ? Ah oui, attends. Quel con. J'ai eu trop de monde à la ferme. Alright. Donc là, ça arrive, là. Ah, il faut que ça tourne peut-être. Tu vois. En tout cas, ici, il y a du bois. Il y a à manger pour les habitants. Ouais, c'est un travail de fou. Hein. Ça fait des années qu'il y est, mais ouais, c'est un travail de malade. Le four à pain, on va le mettre en stand-by. Et j'aimerais bien que ça bosse ici, quoi. Pourquoi il se passe rien, là? Convertit le barley en malt. Ah oui, mais le barley, on l'a peut-être pas encore cueilli en fait. On a du grain de ouf. Darla de la dara. Burn corpse. Il est cool, hein. Super cool, mec. En fait, il faut attendre que ça soit cueilli. Et après, on pourra faire de la bière pour tout le monde. 9%. Et on pourra faire du malt qui fera de la bière. Et dans la bière... Mais non, du coup, pour l'instant, c'est pas la peine, les mecs. Pour l'instant, assurez-vous qu'il ne manque de rien. 20 pains. On est vraiment large sur absolument tout, quand même. Il y a un mec qui bosse au pub, mais il a pas de client depuis un an, maintenant. Après, l'important, c'est qu'il soit heureux. Écoutez, laissons passer le temps. Il faudrait que je me renseigne quand même pour avoir... Ça. Ça veut dire qu'il va me falloir de la laine. Et donc des moutons. Oh, c'est dur. En fait, t'as jamais assez de gens, quoi. C'est ça qui est compliqué. T'as jamais assez de gens pour tout faire. Hein. Ouais, il faudrait construire des millions de baraques. Et après, être ric-rac en bouffe. En vrai, je peux rajouter un peu de maison. Rajoutons 3 baraques. Ça fera plein de travailleurs. Ma pauvre vache qui travaille toute seule depuis le début. Elle va mourir, elle dira rien à personne. Hein, puis ce sera fini. On fera moins les malins, je vous le dis, ce jour-là. Dans combien de jours? 70 jours, on va chercher... on va cueillir. Ça marche. Peut-être remettre du monde ici, du coup. Je peux se le permettre. On a de l'essence pour très longtemps, on a du bois pour très longtemps. On a des gens qui s'installent. Je
Je sais pas ce qui se passe si je m'amuse à suivre la route à l'infini comme ça. Sûrement que pas dans la démo, tu vas croire qu'il y a d'autres villages. Ils ont pas mis de... Oh, on upgrade. Ils ont pas mis de brouillard de guerre, mais j'imagine que ça doit exister quand même. New development point. Pourquoi? Ah, parce qu'on est très nombreux. Okay, okay. 40 jours, ils vont pas tarder, je pense. Hein. On va mettre 3 personnes à bosser là-dedans. Du coup, j'ai tout qui tourne là en fait. Ah, oui, sauf ça. Et en plus, on est bien là. Il faudrait que j'aille au lit, putain, il est 1h50 du matin, fais chier, le jeu de con là. Un new message. Pay upcoming. La région de Luenfurt. Ah, j'ai une taxe royale à payer. Dans 300, dans un an. Mais avec quel argent? Enfin, qu'est-ce que... Bon. Faut que je trouve de l'or. Ah, ça y est, on attaque la récolte. Ce qui veut dire que là... Ça va commencer à bosser aussi. Faut absolument que ça bosse ici. Hein. S'il vous plaît, on veut de la bière, non? Comprenez qu'on veut de la bière, merde. C'est toi, donne l'argent là. S'il vous plaît, on veut de la bière, nous. Ok, je sors une personne pour qu'il bosse ici. Ça y est. Oh putain. Oh quel plaisir. Oh, je ressors encore une personne. Que ça bosse ici. Et là, ça fait du malt. Et là-bas... On a de la bière. Oui, de la bière. Le malt est amené directement dans notre distillerie. C'est ici qu'on le... Oh putain oui. On touille à la main quoi. De la bonne binouze. De la bonne birasse. Il y a 8 personnes qui travaillent à la brasserie et 6 qui s'occupent à sécher le houblon. Le travail mène à la main, ainsi ai-je décidé d'appeler ma bière... La 8-6. C'est beau. C'est beau. Bon, dis-moi que tu vends de la bière, s'il te plaît, Mich. Ah putain, quel bonheur, ils vendent de la binouze. Ils vendent de la binouze. Bon. Et là, boum, entertainment. Attends, je peux ? Pourquoi je pourrais un upgrade? Pourquoi lui je peux l'upgrade? Je peux construire des extensions. Bon. Ah, on peut faire en sorte que les gens construisent eux-mêmes leurs trucs. Oh. Mais je peux pas upgrade parce qu'ils ont pas de fringues. Ouais, c'est léger quand même la bière, les gars. Faudrait aller plus vite que ça quoi. Là il y en a 12. Ah, d'accord, il faut que j'embauche du monde. J'embauche du monde, je peux faire des allers-retours. Alors le problème c'est que faire des fringues là... Oh. Ouh, on a plus de fuel.
Oui, j'ai plus personne qui bosse ici, bordel. Enfin, de bois, quoi. Oh, quand même. Ah, oui, c'est tant la neige que ça. Putain. T'es pas rendu compte. On a au taquet de bière, ça c'est cool. On a beaucoup de... Oui, ça aussi. Ah, le pain, vraiment le pain, on va faire une pause, ok, ça vous dit les gars? Le pain, on va se calmer le cul parce que vraiment... attends, ça, peut-être que toi t'es indispensable, par contre, je sais pas. On va faire une pause. On va faire une pause, on va aller couper du bois plutôt. Alors le problème, c'est qu'il me reste encore une étape compliquée, c'est de faire des fringues. Et alors là, je sais pas. Faut un enclos, une ferme. Pour trouver de la laine. Attends, on va voir si que ça déjà, ça suffit. Peut-être que ça, ça suffit. Lui, il a plein de bière, là. Pas du tout. Mais comment c'est possible? Il a boive si vite? Non, j'en ai plein ici. Bizarre. Moi, je suis la reine. Non, Momo, non. Tu es la troubadour. En Sarwell. Qui jongle avec des estomacs de chats morts. Remplis de sable. Pour amuser le roi et sa cour. Okay. On va vite voir si on voit apparaître quelque chose là-dessus. Normalement le cuir on va l'avoir de ça là. On en a pas tant que ça, on a pas beaucoup mais. Ça pourrait suffire le temps. Mais le problème relou. Le problème relou, c'est que j'ai personne pour bosser là-dedans, quoi. 35 bières ici, qui n'arrivent jamais là-bas, en même temps, elles sont méga loin, on comprend. Hein. On comprend bien. Ça va là, pourquoi ils stressent pour la bouffe? Ça va, les gars, oh. On a au taquet de bouffe là, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Donc lui il fait du leather. Donc là il y a du leather, donc là on est content putain. C'est l'hiver. Et non, il faut aussi, il faut d'autres choses. Ça ne suffira pas. Oh, putain. Alors attends, il y avait une strat. C'est faire ça. Ça. Si on fait ça. On pourra faire ça et faire d'autres matières et améliorer ensuite. J'en ai plein le cul. Non, ça va. Est-ce que le pub tourne à pleine balle? En tout cas, les gens sont entertainés. Ça fait chier de... Putain, c'est dur. Et dans 200 jours, il faut payer Michel. Ça n'aura jamais poussé. Écoutez-moi bien. Parce qu'on attaque à peine l'hiver. Ouais, c'est compliqué quand même. Ça remonte un peu le bois de chauffage là. Putain, mais si peu. Malte. Comment c'est possible? On n'a pas un pet de bois de chauffage quoi. Et là on en a? Ah là on en a.
Alright. Build a tax collector to increase the treasury. Tax collector. Oui, bah attendez un peu. On va faire ça. Alors. Ouais, on a un problème, c'est qu'on n'aura jamais. Oh, tous ces gens qui sortent d'où là? Ils font quoi ces gens-là le reste de l'année là? Pourquoi ils arrivent à 12 000 sur la construction d'une toute petite baraque comme ça? C'est bizarre, non? Ah, ça, ils sont 60 à bosser là-dessus! Ça veut bien dire qu'ils branlaient rien avant! Ou qu'ils arrêtent tout ce qu'ils font. Putain, ça coûte cher en bois. Hein. Bon, là, on n'aura jamais ce qu'il faut de suite. Low on food. Comment ça? Quoi? On a que un mois de bouffe? Mais comment c'est possible? On est vraiment low en food là. Ouais. Attends. Où est-ce que je suis censé trouver des gens là? 11 mois de fuel. Putain. Oh là 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 là. C'est la merde. C'est la merde. Toi tu chasses tout seul, mais non, vous êtes deux à chasser aussi, putain. Qu'est-ce que. On a au taquet de grains, on a. Je sais pas quand même. Je suis fatigué. Je m'endors sur place là. On va laisser mourir cette colonie, je pense. En tout cas, vous avez de la bière, quoi. N'hésitez pas à boire de l'alcool si vous avez un peu froid. C'est important. Non, mais ça va aller mieux la bouffe là. Chill, c'était l'hiver qui était un peu rude, mais en vrai, les chasseurs ils chassent. Elle, elle fait du pain. On a vraiment personne pour bosser à la ferme là. On va arrêter la production de bière un peu. Il a 50 en vrai, ça me paraît suffisant. Pourquoi ça prend pas le relais? Ok, on est remonté à 2 mois, tout va bien. Est-ce qu'on pourrait planter ça de grâce? Je sais pas quand c'est qu'on plante ça, mais ce serait bien. Putain, on est vraiment pas loin. On est vraiment pas loin. Un peu chiant ça, quand tu cliques à côté en vrai. Oh putain, en fait quand tu cliques sur les persos, ça te fait un sale zoom. Attends, on a tout ce qu'il faut là. Ah non, il nous manque une catégorie de fringues, j'ai rien dit. Pardon, pardon. Ok, ok. Donc il faut attendre que ça plante ici et que ça farm ici quoi. Ça va être compliqué quand même. Il y a tant de réserves que ça là-dedans. Ah oui quand même. Et c'est quand qu'on plante là? Go 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 là. Attends, on peut forcer à planter plus tôt quoi. Dans 2 mois, on a. Non.
J'arrive pas à comprendre qu'on en chie autant d'un coup. Alors que. Que ça chasse à tout. Bah oui, mais les extensions, pour les faire, il faut payer. Vois-tu. Et il faut que je fasse un collecteur de taxes. Unfortunately. Ça là. Non, ça. Non. Ça. Oh, on peut faire des. On va faire une muraille. On peut faire un manoir. Oh. Bon, je sais plus ce qu'il faut faire, quoi, mais. Je suis fatigué. Pourquoi il commence pas à semer, là? Tu pars ça, là? Oh, c'est bon, on remonte, on remonte. C'est l'hiver qui est un peu rude, quoi, mais. Dans 96 jours, il faut que je paye la taxe. Oh, merde. J'ai pas compris. Tax collector. Je peux pas le fabriquer parce qu'on est on n'est pas médium. Secours. Je pense que j'ai perdu parce que j'ai pas payé le roi. Après peut-être que le roi il va venir me péta et ça va être marrant. Je sais pas pourquoi il y a personne qui plante ici. On est quand même en mai. C'est pas le moment là. Pas le moment, en mai. Flax. Putain, j'aurais dû faire de la laine, en vrai, on va me faire chier. J'aurais dû faire de la laine, j'aurais dû faire des moutons, là. On aurait déjà. Mais ils auront jamais planté, ça me rend dingue. Quand c'est qu'on plante ça? Showing progress. Ah, ils ont déjà planté? C'est ça que ça veut dire? Mais je peux pas débloquer pour l'instant. Pas pendant la bêta. Non, c'est qu'il faut que je construise plus de trucs, je pense. Mais ouais. Je manque d'habitants. J'ai trop de choses à faire pour pas assez d'habitants et en même temps pas assez de. Et en même temps. Putain, mais ma bière, quoi. Venez me chercher la bière là, c'est pas possible. Et en même temps, pas assez de bouffe pour tout le monde. Bref, c'est une première run, on va dire. Le champ est magnifique. Ce village est très beau, hein. Ouais, c'est ça, Azazel. C'est un city builder into combat Total War, into gestion politique d'une carte globale, into jeu de fou. C'est Manor Lord, tu sais, j'en avais montré pendant très longtemps là. J'ai montré plein de vidéos depuis un moment. Le jeu que fait le mec tout seul là. On aura fait ça pour une découverte, c'est pas mal déjà. Pour une démo. Mais oui, il y a vraiment moyen de voir ce qui se passe ici, non? Pas du tout. Ouais. On sait qu'il y a des dépôts, mais. Ah si? Non, on sait que le marchand se balade ici. Il n'y a pas moyen de voir. Non, il n'y a pas moyen de voir des gens.
Faut voir d'autres villages. Ouais, ouais, le village il est cool, mais il va. Bon. Putain, ils ont pas planté, on est d'accord. Hein. C'est moi qui suis con. Là. On est déjà en juin. Du coup, je ferai jamais rien là-dedans, quoi. Du coup, je pourrais jamais upgrade ça. Dans 30 jours, il y a le roi qui vient gueuler parce que je peux pas payer la taxe. Écoutez, ce qu'on va voir, c'est qu'on va on va laisser le roi venir nous poutrer le cul. Parce qu'on n'aura pas payé notre impôt. Et puis après, on ira au lit. Hein. Il est tard. C'est si tard, si tard. Ah oui, tout à fait. Dans 12 jours... Ah, vous voyez pas, vous, les objectifs, c'est derrière ma caméra. Dans 10 jours, il y a le roi qui arrive pour gueuler. Et si, ça pousse pas du tout, par contre. Hein. Dingo, quand même. Ah, et ben... Le roi va arriver. Je ne sais pas d'où, mais le roi va arriver réclamer sa taxe que je n'ai pas. Oh. Tu vois ? Alors ça c'est le traveling. C'est le marchand itinérant. Qu'est-ce que tu vas faire, le roi? Quest complete. Quoi? Comment ça? Non? Quest complete? Ah, c'est parce que je suis à moins 5. Ah d'accord, il m'a mis en négatif, quoi. Oh merde. Je voulais me faire poutrax, moi. Je voulais voir le roi arriver avec sa garde bien vénère là. Bon, de toute façon on est en août. Ici ça n'a pas poussé dans Iota. Je connais pas la saison en même temps. Putain, j'aurais jamais pu upgrade. Franchement ils avaient tout ce qu'il fallait quoi. Ils abusent juste pour une catégorie de vêtements. Ils font la gueule. C'est quand même dommage. Ouais, en vrai, c'est quand même un beau village. En vrai, c'est quand même un joli petit village qu'on a fait. Alors certes, à ce rythme, il passera pas l'hiver, mais... on retiendra qu'il aura vécu un peu heureux. Un peu. Un tout petit peu. Messieurs, dames! Je vais vous laisser avec ce bruit de village qui vit, ce bruit de village heureux. Et on se voit demain pour la... pour en faire quoi demain? Je sais pas ce qu'on va faire, demain on verra bien. Faites de beaux rêves, je vous fais un bisou. Je suis éclaté de fatigue. Bonne nuit, merci pour ce soir. Et profitez de l'ambiance.